यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगमस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलं यस्योरसी व्याल राट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगत शिव शशिनिव श्री शंकर पातु मां ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि ou la grande nuit de Shiva est célébrée par des dévoués par milliers des années. C'est le jour du mariage de Shiva et Parvati. Ici, Shiva représente la confiance et Parvati la dévotion. Quelqu'un peut avoir la confiance en Dieu, mais il n'est pas dévoué. Alors, sa mission est accomplie, inaccomplie. Maintenant, c'est là la dévotion, mais pas de confiance en Dieu. Là aussi, il manque dans sa mission. La nuit, c'est l'obscurité et qui symbolise l'ignorance. La nuit précède le 15e ou dernier jour de Amavas, qu'on dit marée noire, où il y a l'obscurité totale. Ce jour-là, on prie Shiva pour nous sortir de cette ignorance totale. Pour éliminer l'ignorance, on doit faire la connaissance de Shiva. Mais pour faire cela, on doit s'abstenir des actions négatives. Et on doit se réveiller, jeûner, faire de offrandes naturelles, chanter des louanges au nom de Shiva avec enthousiasme. Qui est Shiva? Le Dieu suprême, qu'on dit Ishwar. Il est sans forme, mais qui peut se transformer à n'importe quel moment ou à n'importe quelle forme. Il se transforme en soleil, la lune, les éléments, comme du feu, de la terre, de l'air, de l'eau, l'espace. Il y a beaucoup des histoires mythologiques dans la culture hindoue qui est liée avec le Mahashivaratri. Donc une, c'était pour arrêter une dispute entre Brahma, qui est le créateur, et Vishnu, le protecteur. Alors les deux ont eu une arrogance de leur pouvoir. C'est Shivji qui devait arrêter cette dispute de supériorité. Alors il s'est apparu en un pilier de feu qui n'avait ni la racine et ni la pointe. Brahma et Vishnu ont tenté à trouver qui était cet être, mais ils n'ont jamais réussi dans leur mission. Contrairement, ils sont revenus à leur point de départ et humiliés. C'est là que le Dieu Shiva s'est manifesté et leur fait comprendre qu'il existait un troisième pouvoir qui régnait dans l'univers, celui de destruction. Alors, on pense que Shiva est le destructeur, mais pas le destructeur du monde, mais il est aussi le restaurateur. Détruire quoi? Les imperfections du monde. Shivji est considéré comme un dieu mystérieux, et ses manières ne peuvent pas être interprétées par des humains. Il joue plusieurs rôles dans les batailles, dans les terrains crématoires, dans la classe de danse. On peut le voir dans diverses cités. Des serpents, des rats, des paons sous le même abri et en harmonie totale. Il y a toujours des disputes dans ce
parmi ceux-là. Mais ici, c'est... Il habite en totale harmonie. Shiva est considéré comme l'être humble et simple. Aussi, les gens qui vénèrent Shiva, ils doivent adopter ce concept très fondamental de la vie. Ils vivent dans une vie calme, heureuse et paisible et affrontent toutes les difficultés de ce monde. C'est ça le vrai niveau de Shiva. Alors, en ce jour de Mahashivratri, moi, je vais demander aux dévots de célébrer ce Mahashivratri avec faste et ferveur. Gardez la discipline pendant votre jeûne, respectez les autres pendant votre pèlerinage, portez des petits kavars. Kavars, c'est quelque chose qu'on porte sur les épaules. Au lieu de choses faites avec les roues, c'est pas conseillable. Alors, pour en dire plus, portez des vêtements clairs et propres, consommez des menus purs, chantez des chansons dévotionnelles, des bhajans, des musiques qui ne dérangent pas sur la route. Arrivez au lieu de repos, gardez le silence, servez-vous des poubelles, prenez un bain après se servir de toilette et gardez les vêtements sales séparément. Mangez quand on a faim et s'inspirez du Dieu Shiva. Servez Dieu, mais pas d'être servi. Alors, prenez mes paroles positivement et ignorez ce que vous ne plaît pas. En ce jour de Mahashivratri, en cette période de Mahashivratri, je voulais passer mes bonnes paroles, mes pensées à vous et je vous remercie pour votre attention. Merci. Har Har Mahadev.